Diégonéfla est une ville située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Go. Elle est à 240 km d'Abidjan. Les autochtones de cette localité sont les Gagou. À cause de la richesse de son sous-sol et de sa fertilité, cette ville attire de nombreux ressortissants de la CEDEAO et des Ivoiriens d'autres régions. Cette nouvelle commune, qui se développe très vite, connaît aussi des difficultés. Manque d'eau potable, d'électricité, des difficultés d'évacuation de produits face à la dégradation des pistes villageoises. Le maire de la ville tente, tant bien que mal, de résorber ces difficultés. Pour moi, il était important que la population elle-même s'implique et dise ce qu'elle souhaite qu'on fasse pour elle. C'est ainsi que nous avons organisé un séminaire pour l'élaboration du plan stratégique de développement de Diégonéfla. Ouvrir la voie qui va de Ouéaka à Guidi, réhabiliter le marché, construire une nouvelle gare, débarrasser la ville des ordures ménagères. Les priorités importantes, c'était ça. Pour la sécurisation des malades, le nouveau maire a procédé à la construction d'un mur autour de l'hôpital général. Au niveau de la gratuité des soins, un comité a été mis en place pour la gestion des médicaments. Ce comité est piloté par le médecin-chef de l'hôpital. Avec sa population cosmopolite, Diégonéfla se construit activement grâce aux efforts conjugués du sous-préfet et des chefs des différentes communautés qui exhortent les populations à une cohabitation harmonieuse dans la paix et la réconciliation. Des valeurs chères au chef de l'État, le président Alassane Ouattara.